Je pense qu'il y a un nouveau souffle d'espoir un peu. On sent qu'il y a de l'optimisme, mais j'irais peut-être plutôt une énergie aussi nouvelle avec ce nouveau, la nouvelle candidature de Kamala Harris. Je pense amène beaucoup d'énergie. On sent beaucoup plus d'énergie maintenant. Il se passe rien. C'est plus simple que ça. La ballonne a dégonflé depuis. Laquelle ballonne? La ballonne de Trump a dégonflé, les MAGA, ça a dégonflé il y a jusqu'à un mois. Et puis, aux dernières campagnes, en 2020, il y avait des pick-up avec des drapeaux « Let's go Brandon Trump a gagné » et tout et tout. Et puis, on voit plus ça, on n'en voit plus. On voit plus de drapeaux qui flottent près des maisons. C'est le changement total, c'est le calme plat. C'est un peu comme si ils savent pas quoi faire. Et puis, actuellement, le train Harris Waltz est parti et c'est très fort. Et puis, avec la semaine qui se passe présentement avec la Convention, les discours des Obama hier, de Clinton à Hillary avant-hier et ce soir Bill, et Joe Biden lundi. Alors, il y a un gros vent dans les voiles actuellement pour les démocrates. The more they see her, the more they're going to like her. I saw what she did in the Senate. We served together for 4 years. She cared about families. She could work with all kinds of people. And she was effective in getting things done. We have to defeat a person who is a threat to our democracy of the kind that we have not seen. At the beginning of our country, Thomas Paine said that times have found us. Declare war, establish a new nation. Abraham Lincoln took up that charge to keep our country together years later, decades later, and now the times have found us to save our democracy. That is what we are here to do. Democrats winning any new voters at this convention? I highly doubt it. I think this is all playing to their own base, not trying to recruit new people, because clearly the Democratic Party, my party, is not interested in talking about what matters. How are you going to keep people safe? How are you going to secure the border? And how are you going to deal with the 8 million undocumented individuals that they let in under Kamala Harris's lead? There's an intangible. It's different. How are you feeling about the switch? I mean, the switch. Now we went through a very open process, and a very inclusive process. It was bottom up. I don't know if you know that. Yes, that's what I've been told to say. Yes, it was a blitz primary, I believe. That's what they called it. It's a very, very fast blitz. Yes. I think it was a blink primary, so we call that. A 30-minute convention. Yeah. Between a tweet and another tweet. It's amazing how it happened. Yeah, it's been amazing. But what is amazing is how unified everybody is. Yeah. I mean, it's next level. So. Georgia, how do you cast your vote? Yeah! Ladies and gentlemen, we are here tonight. Everybody get your hands up. Hey, everybody get your hands up. Now, say. 2 days ago, I turned 78, the oldest man in my family for 4 generations. And the only personal vanity I want to assert is I'm still younger than Donald Trump. Last night. You know, Bill Clinton makes me think about my dad in Western Kentucky. You know, when I was growing up out there, my dad and all the other guys like my dad, blue-collar guys, they love Bill Clinton. Mm-hmm. All Clinton guys. And now, my dad and every single one of them that I know, all Donald Trump guys. And when I see him come out here tonight and I think about the audience in this convention, I think the Democratic Party did once have a bunch of people who Bill Clinton would appeal to. I think they're gone. I think the people who, the blue-collar labor piece of the Democratic Party that propelled Bill Clinton in the 90s has completely and totally migrated over to Donald Trump. And so I wonder about the younger audience and how they view somebody like Bill Clinton today, because he's not a blue-collar hero to them. They know a lot of other things about him that, frankly, make me wonder how in the world he still makes these kinds of stages, to be honest. We just try to do the best we can to save them. And if the place happens to belong to a childless cat lady, you know what else? Kamala Harris, she likes dogs. And my dog, Cha-Cha, likes her. Dogs are good judges of character. So are cats. We cannot elect a president who does not like dogs or hangs around with people who shoot them. Well, as he can attest, I was a blubbering mess all night. As a parent, you're right, I couldn't stop thinking about the fact that the first president that our daughter is going to come to know is a woman who looks like her. And I couldn't get over that. By the way, I got a message for the Republicans and the justices of the United States Supreme Court. You can pry this wedding band from my cold, dead, gay hand. And I'm retaining a lot of water, so good luck with that. Look, I know that whether she's Attorney General or President of the United States, Kamala Harris will always be in our corner. Now, America, you get to be the judge. Do we go back to the corruption, criminality, and chaos of Donald Trump? Or do we move forward with Kamala Harris? Leaders don't spend all day insulting people and blaming others. Leaders do the work. So I don't know about you. I'm ready to turn the page on these guys. So go ahead. Say it with me. We're not going back. And let me tell you, the energy tonight isn't just here in Chicago, it's all across the country. People are gathered at watch parties everywhere to celebrate Kamala Harris. Say hello! Yes. All right. We know how to work, so let's get to work. Let's turn all of this enthusiasm and joy into action between now and November 5th. Let's go. Sí se puede. Sí se puede. Taking away our freedom to control our bodies, the freedom to become a mother through IVF like I did, those things are not going to improve the health outcomes of our wives, mothers, and daughters. And when our daughter was born, we named her Hope. Hope, Gus, and Gwen, you are my entire world, and I love you. I'm letting you in on how we started a family because this is a big part. A big theme here at the DNC is that they're going to go after corporate gouging and they're going to go after corporations, whether it's in taxes, largesse, loopholes. The RNC, we heard the same thing. They're going after the elites, the two sets of rules. Let me reveal a reality to you that has to be spoken to here, okay? These are the soldiers. These are the men and the women that go back to their constituencies and their communities, and they fight. They take time from their jobs. They take time from their families. Republicans and Democrats alike, that's what they do. They need to charge these people up. They need to be able to get them on board. But there's another reality that is literally looking down on them. Greg, look at the ring of suites, okay? This is not unique to Democrats. There is a game of money. When people talk about uniparty, we are strangled by the money reality in our politics. Those suites start at 500 grand. You think there's like a teacher group up in there? You think it's like the Cub Scouts of Columbia County, South Carolina, that's up in those boxes? Some of them are lobbies and good things. The media boxes, you think they're free? Why do you think I'm on the floor? News Nation is not a broke company. Nextstar is a massive organization. We are corporate media. We don't have one of those boxes because that's the game. You pay to play. Those boxes are filled with the same people that they say they're going to regulate. They are literally looking down on the faithful and being told, yeah, we're going to break down on them. We're going to make them pay their share. They paid 500, 700, $1 million, $1.5 million to have those seats. They get hotel suites that are probably gifted to the party. And the same thing is true at the Republican side. And they're going to take them down. They're going to change how it is. They are looking down from on high at the people who make the difference in their communities. And that is the reality of politics. And I had my producer walk around and show you those suites. Now, they're not all the same. They're not all the same. But the reality is, in 2000, they spent $300 million on presidential campaigns. 24 years later, you know what they're expected to spend? $10 billion. Do you know how much money Harris has raised in the last couple of weeks? Hundreds of millions. And that's success. A lot of it's small donor, a lot of it isn't. The most dangerous money in politics is now legal money because of Citizens United. You've got to know this. The idea that they can fight against it is almost laughable. It's almost laughable. So look and listen when you are told these things, because I don't care what they promise you. Not here tonight, not at the RNC, not that Trump knows them, not that they don't own them. He did one of the biggest fundraisers I've ever heard of in my life out where I live. Millions of dollars a plate. That's the reality of politics. They didn't know what. Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October 7th. Okay? The whole world is watching! The whole world is watching! The whole world is watching! Long live Palestine! 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 They're burning right right now. They burned an American flag and a Jewish flag, or a combination of the stars and stripes and the Magen David. And that's how we saw a conflict right away, because someone came in and stopped them from burning the flag. And then we saw some pushing and shoving. It looked like it was going to turn into a fight. But I should mention that this demonstration, this group calls themselves Behind Enemy Lines. You can see a lot of the familiar clothes. They made a very deliberate confrontation with the police here. Would you rather have a democracy or access to abortions? Either or. I feel like that's a very tough question to answer. I feel like that's almost not possible to answer. I feel like there's, I couldn't pick one or the other. Even if you had to choose? I had to choose. Can we get a final answer? I know it's hard. I guess access to abortions. It's Brad Summer! The queen of the brats has arrived! Yes, queen! Do not come. Are you as hard as I am right now? She's good something stuff. Special. Good stuff. Can we please, this year, it'd be so brat, have a higher tax rate for rich white men? Well, if we have a Democratic Congress, we certainly will. Yeah, baby! Tax those rich old whiteys, come on. Are you worried Donald Trump's going to weaponize the justice system if he gets in power? I'm concerned about Project 2025. Yeah. And it's important that individuals understand that Project 2025 basically consolidates power in the hands of one dangerous man. Yeah. And so it's really critically important. You're prosecuting his political enemies. Exactly. Guys, I have to say, you are even more beautiful in person. Oh, I love him. I love you. Thank you so much. I want to give you a kiss. Thank you. In my pocket, keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket, keep up. Don't be mad, push your face in my mouth, y'all be trying to keep up. Players only, come on, put your pinky, put your tongue. Beautiful, spirit, magic, the air. I'm so proud. Give me your best pickup line. My best pickup line? I'll pay. Who are the cuties in the Democratic Party that are speaking? Ugh, I don't know. Talk to anyone who lives in D.C. It's hard to find a cute Democrat. Oh my God, shots fired. No, that's the tea. Ask anyone who lives in D.C. and who works in Democratic politics. It's hard to find the cute ones. The Republican guys are hotter? Yeah, but they're evil. So, like, I don't know. I don't know. We kind of love evil, oh my God. I feel like you are so bad. It's time to call it the red carpet, the blue carpet, because the conservatives have like literally no cool famous people. What do you eat after a long day at Congress? Did you get your vasectomy yet? No. Not doing that. It's gonna be a wild weekend, baby. actually inside the building. I have a question. How does it count to support a convicted felon? Hey, look at this, guys. See how they attack yours. Look at they're attacking me on the war room. A proven sexual abuser. A proven sexual abuser. Convicted felon. Harry Sisson, have you gotten your vasectomy yet? I think that's what the audience wants to know. Have you got your vasectomy yet? Did you get your vasectomy? Were you aborted? Did your mom abort you? I pray for you that your mom did not abort you. I hope you don't. Tim Walz has the best shot in Congress. He has the best back shot. One final game. Yes queen or no queen? Okay. I'll give you a yes or no. How about that? Okay. Amazing. Can you do yes queen or no queen? Or? I can't do that. I can't do really? That. Free abortions. Yes queen. Free gender affirming care for migrants. Yes queen. Social child tax credits for dogs. Yes queen. Ban standardized testing? Yes, queen. Oh, yeah, like my ADD is so crazy. Get rid of those things, please. Yes, okay. Queen, yeah. Amazing. Different tax rate for white men. Yes, queen. Amen, sister. Love you. Love her energy. She's a yes queener. My girlfriend needs to get an abortion. Could you help me cover it up? Please? I need help. I need to do it like discreet way. Oh. Asshole. Everywhere I go, they be like. Everywhere I go, they be like. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just picky, pick up, tira. What's that sound? Come on now. The feeling, invite the feeling. Pick up, tira. What y'all trying to do? Magic in the air. Romeo, wherefore out there, Romeo? Sorry. Romeo, wherefore out there, Romeo? Who do you think has a bigger lightsaber, Donald Trump or Joe Biden? I mean, come on. Really? And what's the best way a guy could approach you? Approach me? I guess with a microphone and a couple of a seersucker suit, a microphone, and my daughter. Could I be a good stepdad? So some Gen Z doubters of Kamala have noted her record persecuting people for weed. I'm a stoner. I use it for PTSD. Do you think that era is so over? She's so over that. I think that even in the period of the Biden-Harris administration, they have been working very hard in order to say no. What about like Coke and stuff? Excuse me? What about like Coke? And her, I would have to look at it, but... Decriminalize the drugs, baby. Thank you, sir. Coke for the boys. Thank you. What y'all trying to do? They're old white guy, am I right? Is Kamala so us? She's so us because she's brat. Kamala is brat. She is so brat. What does brat mean? Brat is like, you're like a party girl, but like you go out at really late at night and like you fall asleep with all your makeup on. And I mean, I have to love Kamala being in a menage a trois at one point. Brad Summer. Get the best Kamala laugh ever. Oh my God, she has the best laugh. Joy. We love joy. We're all about joy. Okay, how do we guarantee equity of joy? Equity of joy will flow forth from Kamala. It's a just a given and part of her. Whoa, we are manifesting. It's coming to people you. Say vibes don't matter, but we are manifesting our nation. It to you. Oh. We love you. Oh. What brought you out here today? No, listen, my name is Noah Schorch. I use he, they pronouns. Like, I'm just really excited that we have, like, the first black woman that could be the president of the United States. And, you know, like, my wife, right, we're in a polyamorous relationship. The lover that my wife took is African American, and, like, I've learned so much about the struggle that people of color go through as a result of my wife's boyfriend. And so I'm excited to really do my part to show solidarity for my marginalized communities. And, like, the best way to do that is to get the first woman of color to be the commander-in-chief, and I'm really excited. I'm so pumped. Were you this pumped and excited when Joe Biden was the nominee? I mean, listen, like, I would vote for a corpse over voting for Donald Trump because he's a disgusting, fascist, white supremacist pig. But now, like, you know, we get to really make history. We have, you know, like I said, we have the first woman of color to be president of the United States, and, like, you know, our country, it was founded on the values of diversity, equity, and inclusion. And a Kamala Harris, there's nothing embodies those values more than a Kamala Harris presidency. So I'm pumped, like, I'm ready. You know, I am so excited. I'm a proud white dude for Kamala Harris, baby. Let's go! Woo! Have you seen any excitement at a Democratic event like in this No, listen, this is amazing, you know, like, you can't generate, I couldn't see any more excitement. Like, the only way there could be any more excitement is if, you know, maybe you had, like, an artist or a celebrity performing or opening for Kamala, but no, this is amazing. This is, like, celebrity level of excitement. This is a rock star. And then, you know, like, the thing that I'm the happiest about when it comes to Kamala Harris' presidency, it's the economy. And, you know, I'm really excited about how she finally wants to put a cap on prices at the grocery store. And, you know, like, look, even if price controls, you know, may lead to, like, shortages of food and basic goods, you know, the shortages will lead to rationing, and rationing, that leads to equity, and we need to be a more equitable place in America to dismantle our legacy of white supremacy. So thank you so much for hearing my voice and so many voices like me. We have a woman of color, and we also have Tim Walz. What a great example for the body positive community. What do you think Tim Walz can be as an inspiration for body positive people? A young man came to him and said, we want to have a gay club here at our high school, yeah. And he said, I'm going to lead that because I need to be He's supported. Like a gay leader. Don't cry, she's here. It's happiness. It's happiness. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you. Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Roshdy, bienvenue en train de la Révolution viriliste, épisode du 27 août 2024. La rébellion contre l'Empire, montage et revue d'actualité viriliste, la Convention démocrate et le couronnement de la reptilienne Kamala Harris, la rébellion populiste est lancée contre l'Empire, tout le monde est rendu Trumpiste. Tout le monde. Il n'existe plus de camp kamalien. Donc, tout le monde est rendu Trumpiste du jour au lendemain. Les sorcières de la semaine, Guérilla X, et on a une petite météo covidienne. Donc, si vous avez apprécié le montage, très important, mettez un petit like, abonnez-vous à ma chaîne, envoyez un super chat, un commentaire, motivez-moi à continuer ce travail parce que je travaille fort. Je travaille fort, puis je suis fatigué, puis je le sens. Donc, des fois, je prends une journée de congé. Et donc, aujourd'hui, on a une grosse émission encore une fois. Grosse semaine. Et... c'est ça. Ah oui! Je cherchais qu'est-ce qu'on avait. On a un contrat viriliste. Et François Aubé, derrière le contrat viriliste, soutient que peut-être qu'il faut que je fasse la cérémonie à chaque fois que j'annonce un contrat viriliste pour être certain que le monde allume contrat viriliste. Donc, on y va. C'est un peu avec les, c'est un peu comme avec les Romains, donc il faut donner une offrande. Là, donc j'ai évoqué l'esprit viriliste des partisans du Rochdis. J'ai besoin de vous, donc ça fait deux contre-virilistes qu'on a ratés. Donc on a besoin de 50$ minimum de super chat ce soir pour nous racheter d'une mauvaise semaine de levée de fonds. J'ai beaucoup de prêts à rembourser pour mes caméras. Demain, je recommence sur la route pour un autre micro-trottoir. Et vendredi, avec Mathieu Lévesque. Et dimanche, on a un podcast sur la magie, la sorcellerie. Si vous écoutez le podcast en différé, vous devez vous abonner pour avoir accès au contenu au complet. Sinon, vous allez seulement avoir accès à la première partie, cette partie-ci. Toutes les autres parties seront seulement pour les abonnés. C'est 5$ par mois, un café par mois pour m'aider à continuer ce travail-là. Alors, sans plus attendre, les démocrates qui ont tiré leur épingle du jeu, ils ont fait un miracle avec la Convention démocrate. Donc, tout le monde s'attendait à ce qu'il se passe de quoi à la Convention démocrate. Ben, il semblerait qu'ils se sont entendus avant la Convention. Tout le monde était tranquille, tout le monde était présent, tout le monde était de bonne humeur, sauf Joe Biden qui a été ridiculisé le soir de son speech. Donc, c'était tout le monde contre Joe. Joe Biden a été un peu le bouc émissaire du Parti démocrate. Ils ont brûlé l'effigie du bouc émissaire comme dans la société romaine. Et ensuite de ça, on a pu faire semblant que Kamala était Jeanne d'Arc, comme je vous dis depuis des semaines maintenant. Ah oui, je vous rappelle, samedi, je m'en vais avec Mathieu Lévesque chez Roxane la Banane pour défendre ma position pro-camalienne. Parce qu'il semblerait que moi et Mathieu Lévesque et moi, nous sommes la dernière opposition à Trump. Il n'y a plus personne pour s'opposer à Trump, donc on s'est décidé de jouer l'avocat du diable. Donc on va défendre Kamala, la caméléon, qui, évidemment, est là pour nous défendre des autocrates contre Trump. C'est notre garde prétorienne anti-autocratie trumpienne. Le beau-frère à Kamala, Jeanne d'Arc, il semblerait qu'il y aurait une conspiration russe pointant le doigt vers le beau-frère Kamala Harris qui aurait, selon les faux renseignements russes, fraudé des milliards de dollars d'une certaine manière en détournant les fonds pour financer des groupes gauchistes, probablement des groupes marxistes, mais... nous, on aime ça, le financement des groupes marxistes. Donc, c'est triste qu'on ait autant de propagande russe qui envahisse le New York Post pour dire à quel point Kamala, Jeanne d'Arc est tellement méchante. C'est triste. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Ça, c'est un dude qui a utilisé Grok pour faire... la plateforme, définir la plateforme électorale de Kamala la Caméléon, Jeanne d'Arc, Othon. Et il semblerait qu'il n'y a pas grand-chose dans la plateforme. Donc, c'est une plateforme de... c'est une plateforme qui semble un peu semblable à celle des... de Trump et qui est basé évidemment sur le narratif de la femme qui traverse le plafond de verre. Donc évidemment, lui, il a décidé de prendre la photo du New York Post qui parle de Kamala la Caméléon, il l'a analysée par l'intelligence artificielle, puis évidemment, l'intelligence artificielle lui a dit que c'était très engagé, mais que c'était assez bien visé parce que Grok, quand je lui ai demandé la même chose, comment faire ressortir Kamala Harris, utiliser le caméléon. Parce que là, présentement, Trump fait une campagne politique démocrate et Kamala Harris fait une campagne politique républicaine. C'est le monde à l'envers. C'est ça qui se passe. Présentement, c'est le monde à l'envers. On comprend pas trop ce qui se passe. Donc... 200 hauts fonctionnaires des administrations Bush, McCain, Romney endossent Kamala la caméléon. Donc l'extrême gauche est rendue l'extrême droite de Bush. Romney, néoconservatrice, très étrange. Qu'est-ce qui se passe? Donc Richard Spencer, qui est un suprémaciste blanc, c'est un raciste tranquille. C'est un racisme multiculturel. Raciste, je suis raciste chez nous. Lui, il dit que le libéralisme des démocrates, de la Convention démocrate, est plate. C'est giving everyone a fair shake, greater comfort, idéalisme, le mode de vie de consommation du Walmart. C'est l'esprit de meute. Donc, il a trouvé ça dégueulasse, il a trouvé ça très poche, mais c'est ce qu'il vend présentement, c'est la campagne de Kamala Harris, pour aller gagner la campagne sur le terrain, avec la campagne clandestine, qu'on va voir c'est quoi à la fin, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la campagne clandestine? Parce que vous savez, il y a la campagne dans les médias, mais il y a la vraie campagne sur le terrain. Hein? Donc, pendant qu'il y avait la convention, il y a eu des belles émeutes gazaouis dans le centre-ville de Chicago. Donc, on a eu du brûlage de drapeaux, on a eu des échauffourées avec la police, puis des vétérans, puis des vieux mâles blancs hétérosexués. On a eu des alertes à la bombe à chaque soir. Pendant ce temps, dans la vraie campagne, il se passe des choses. Par exemple, Ken Paxton, Attorney General de Texas, procureur général du Texas, et Raúl Labrador, Attorney General de l'Idaho, que je ne suivais pas encore, qui mènent une coalition de 14 États pour bloquer l'amnistie de l'administration Biden pour les migrants illégaux. Une amnistie pour leur donner un chemin vers la citoyenneté. Donc, pour créer 1 million de nouveaux électeurs. Donc, il se passe des choses parce que la vraie campagne en 2024, ce n'est plus comme en 2022 et 2020, le vote par la poste. C'est le vote des migrants. Donc, la vraie campagne, c'est clearer le voter roll qu'on appelle la liste électorale frauduleuse qui a été bourrée de faux électeurs. Donc, c'est ça qui se passe présentement. On voit ici un autre syndicat parce qu'il y a beaucoup de policiers qui commencent à soutenir ouvertement Trump dans les médias. On voit ici, un syndicat de l'automobile, travailleurs de l'automobile, qui soutient que la crise à la frontière, elle est totalement manufacturée. 100% raison. C'est 100% manufacturé pour bourrer les listes électorales de faux électeurs pour la vraie élection de 2024. Donc, pendant ce temps, la Chine commence à faire des mesures de rétorsion commerciale au niveau donc des embargos contre l'OTAN, au niveau de certains matériaux de base, des rare earth et des minéraux rares qui sont, j'ai fait un podcast là-dessus, comme le graphite, le germanium, le gallium et des rare earth. Tout ça, ça vaut... Il y a un gros monopole au niveau de Taïwan et... la Chine, ça commence à se développer un peu ailleurs, mais on a partout au niveau de l'OTAN un bon petit 10-15 ans de retard parce qu'on a branlé le manche. Qu'est-ce qu'on a ici? L'offensive de Kursk continue et il y a une nouvelle offensive qui a commencé, je pense, à partir de ce matin ou hier à Belgorod. Je vais continuer à suivre ça avec vous. Probablement que History Legends va faire une vidéo dans les prochains jours pour parler de ce qui se passe. Malgré tout ce qui se passe, malgré la mondialisation, vous devez comprendre où sont les centres de pouvoir en référence avec votre localisation physique sur la planète. Donc, ça sert à rien d'obséder sur la France quand on est au Québec. Il faut vraiment porter plus d'attention sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Parce que toute notre économie est centrée sur le corridor vers Saint-Jean-sur-Richelieu et la côte est américaine. Et en passant, si on avait un premier ministre intelligent, on aurait un premier ministre qui développerait les couloirs maritimes de la rivière Saint-François, de la Yamaska, de la rivière Richelieu, du fleuve Saint-Laurent pour faciliter donc la distribution, la manipulation, le transport de matériaux. Donc, au lieu de développer des chemins de fer, on pourrait développer des bateaux. Puis en passant, il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui le fait, donc s'il n'y a personne qui le fait, le premier qui va le faire, il va devenir riche. Je dis rien. On voit ici qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés, c'est que la volatilité est encore très haute. Donc, c'est pas terminé. Dès qu'il va y avoir un autre petit changement géopolitique, on va avoir une autre correction boursière. Donc, présentement, c'est un bear trap, mais je ne suis pas conseiller financier. Le gouvernement qui a publié des nouvelles données dans les dernières semaines au Canada, démontrant que tout ce que je vous avais dit à propos des milléniaux et des jeunes adultes au niveau de l'augmentation des revenus, mais un ralentissement sur l'augmentation de la richesse, tout ça semblerait, il faut mettre ça de côté parce que l'inflation a effacé toutes les hausses de revenus que les Canadiens ont eues durant la période des 10 dernières années. Donc, l'inflation vient de nous rattraper. Et en plus de ça, on avait vu que, durant les derniers podcasts, les podcasts de Gene M. Twain, que chez les milléniaux, depuis la COVID, l'enrichissement des milléniaux avait arrêté. Et là, donc, on va voir beaucoup de monde l'année prochaine au Canada qui vont être fâchés. Ça va être très dégueulasse la dernière année avant les élections fédérales canadiennes. On a ici un autre exemple d'effondrement de l'immobilier en Floride. Donc, 41% baisse de prix entre 2022 et la vente dernièrement, en 2024. Donc, ça continue cet effondrement-là, c'est à suivre. On a eu donc un double problème au Québec. Donc, on a eu premièrement une grève dans les deux plus gros transporteurs de chemin de fer et un navire cargo qui s'est échoué dans le fleuve Saint-Laurent qui a bloqué une partie de la voie maritime. C'est-tu pas intéressant qu'est-ce qui est arrivé? Donc, c'est ça que ça sert à développer nos cours d'eau pour la manutention, en tout cas. On voit ici qu'est-ce qui se passe au niveau des hordes de morts vivants à Toronto. Donc, on voit ici le crime organisé qui est très organisé à Toronto présentement. Et c'est probablement une race qui est derrière ces histoires-là. C'est à suivre parce que ça devient monnaie courante. J'en vois chaque jour des vidéos comme ça. Je vous les présente pas toutes. Je fais juste vous en parler quand je recense sur mon radar plusieurs bips. Quand vous voyez une vidéo dans mes montages, dans mes émissions, ça veut dire que j'en ai vu presque 10 rendus ici. Donc, il y a vraiment une hausse de la criminalité en même temps que l'immigration de masse et du grand remplacement. Qu'est-ce qu'on a ici? Une recherche peer review dans l'économie publiée par Reuters qui confirme que de miser sur les bons du Trésor, c'est une mauvaise mise. Oh! Eh bien, est-ce que Yann, qui n'est pas un conseiller financier, avait raison depuis plusieurs années maintenant? Eh oui, plusieurs années. Donc, si vous aviez écouté Yann depuis 2020, hein, acheter de l'or, probablement que pour me remercier, vous devriez m'envoyer une pièce d'or. Pour me remercier. Si vous avez acheté beaucoup de pièces d'or en 2020, et que vous avez fait une fortune, je mérite au moins une pièce. Ou une pièce d'argent. Je vais prendre la pièce d'argent. Je vais prendre la pièce d'argent aussi. En tout cas. C'est ce que j'achèterais, moi, si j'avais de l'épargne. Mais non, j'ai pas assez d'épargne. Moi, mon épargne, c'est mes livres, c'est ma connaissance, c'est mon podcast. Donc, je vous remercie encore une fois, les gens qui financent mon podcast à tous les jours, toutes les semaines. François Garceau, qui a envoyé un super chat, un don de 10$. Donc, il manque 40$ aujourd'hui pour avant d'avoir notre contrat viriliste qui est rempli. Donc, en Californie, on a trouvé la solution pour le problème de logement chez les gens qui n'ont pas de crédit. Donc, évidemment, ce ne sera pas pour les milléniaux, ce ne sera pas pour les Gen Z, ça va être pour les races. Donc, les migrants illégaux vont avoir des programmes spéciaux qui vont payer le financement de l'immobilier. Donc, c'est un prêt. Sauf que, minute papillon, c'est un prêt de mise en esclavage. Il faut être conscient de ça. Donc, oui, c'est un double standard. C'est complètement absurde de financer la maison des gens qui nous remplacent au niveau démographique, des colons. Financer les maisons des colons. Mais c'est pas pour rien. Ça veut dire que l'État peut modifier les clauses du financement sur un 5 cents. Peut changer ça du jour au lendemain, comme les Terms of User Service d'une plateforme GAFA. Hein, on t'envoie un courriel. Ah, finalement, les taux d'intérêt, ça double. Ah, finalement, au lieu de payer au mois, on veut que tu payes aux 2 semaines. Ah, finalement, parce que t'as pas rempli tel standard, t'as pas fait tel cours, t'as pas eu tel diplôme. Oh, parce que t'as trop d'enfants. Je sais pas, whatever. Qu'est-ce que tu inventes? Le standard bureaucratique, tu modifies les clauses, il ne remplit plus, tu l'évinces, tu en fais ton cerf. C'est ça que ce genre de programme fait. Ça fait des colons, des serfs étatiques. Et là, le serf étatique peut être autant communiste que monarchiste. Parce que, écoutez mon podcast « La vision de l'État ». Gros podcast de 4 heures, gros livre, grosse brique sur le mode de gestion centralisé. Avant que les communistes au long nez prennent le pouvoir en Russie sous le nom des bolcheviks, les tsars avaient construit des systèmes de serfs étatisés. Donc, les communistes ont juste réappliqué une méthode qui avait été développée par les tsars précédents. Donc, là, on fait juste reprendre la même sauce. Les Chinois font pareil. Les Saoudiens font pareil. C'est un retour de l'esclavage partout. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est ça qu'on combat présentement. Donc, si vous adhérez aux mêmes politiques que moi, même si vous n'adhérez pas à la religion, le fait que ce que moi je défends, c'est des politiques anti-esclavage à la base. C'est mon premier objectif. Anti-esclavage, anti-sacrifice humain, anti-inceste, pro-famille chrétienne, pro-éthique de travail, pro-bon samaritain. Donc c'est ça, c'est ce que moi je défends. On continue à avoir des menaces de mort, beaucoup de problèmes dans la campagne. J'en ai parlé à chaque semaine, il se passe de quoi sa campagne à Trump. La vraie campagne, c'est une campagne qui est clandestine, une campagne judiciaire, une campagne mortelle, littéralement. Hein. Il y a à peine moins de 2 mois, Trump a vécu une tentative de meurtre, un acte terroriste. Et on voit ici un autre exemple, c'est donc Corey DeAngelis, que je suis depuis plusieurs années sur Twitter. Il a fondé donc un OBNL. Et le but de l'OBNL est donc de faire ce que les lobbyistes font. Donc, un lobbyiste, ça utilise de l'argent pour influencer des moments précis. politiques, des moments partisans politiques précis. Donc, le lobbyiste va peser sur des boutons à des moments précis pour influencer des décisions précises. Par exemple, un projet de loi. Ça, c'est l'exemple que tout le monde maîtrise très facilement. Un autre exemple que le lobbyiste va faire, c'est les primaires. Les mises en candidature dans les élections. Donc, au Québec, ça, un exemple de ça, à part le projet de loi, ce serait quand le PQ, quand la CAQ, quand le Parti conservateur est en train de préparer les mises en candidature de députés, de représentants du roi qu'on appelle députés, des petits shérifs. Quand que nos candidats au poste de shérif se présentent. Donc, on peut avoir des gens qui se regroupent à travers des organisations à but caritatif, des OBNL, des associations, comme personnes privées, ou de manière clandestine, tout le monde se met ensemble, et là, on va peser sur le piton sur tel candidat, pro tel candidat, ou anti tel candidat. Donc lui, c'est ce qu'il a fait à des primaires républicaines qui, au Wyoming, ont voté contre la liberté de choix dans le choix scolaire, donc envoyer son école à l'école privée, l'école publique, l'école à charte, l'école à la maison, le fait qu'on choisisse. Donc, des candidats républicains qui sont censés être pro-choix, s'ils ont voté contre quand ils étaient congressistes, lui, il a dit « Je vais financer des campagnes contre eux ». Et il a réussi donc à saboter 3 campagnes de candidats qui étaient déjà des congressistes. Donc, ils ont perdu leur poste à cause d'une primaire perdue. C'est intéressant, très important. C'est le genre de choses qu'il faut faire contre son propre parti si on veut avoir un poids. On ne peut pas juste donner de l'argent puis voter. Il faut qu'on mène des campagnes de pression sur les politiciens, les députés, pour les influencer dans toutes leurs décisions. Sinon, il n'y aura jamais aucun changement. Ça s'appelle la guérilla de lobby, la guérilla judiciaire, la guérilla. C'est comme ça qu'il faut qu'on voit les choses présentement. Donc, est-ce que Robert F. Kennedy Jr. va dropper de la campagne présidentielle avant novembre? On a eu une explosion des prédictions sur Polymarket à partir du dans le coin du 19-20 août. Donc de 50% une chance sur 2 à plus de 3 chances sur 4, 75%. En passant les prédictions par mise, paris, des paris de type comme des paris sportifs, c'est plus efficace encore pour vous, pour se préparer dans des changements politiques profonds que tous les sondages par téléphone, tous les sondages qu'on pourrait avoir faits par des firmes de sondage. Donc, c'est intéressant de voir. Donc, c'est là qu'on est rendu. On est rendu au deuxième segment. Je vous rappelle que donc c'est la fin du segment gratuit. Pour avoir accès au podcast au complet, vous allez devoir vous abonner dans $5 par mois sur YouTube, sur mon infolette Substack ou sur mon site web. $5 par mois, $1 café par mois pour avoir accès à tout ce contenu sans censure. Vous allez ici dans la section abonnement. Tous les podcasts réservés aux membres sont là. Vous pouvez aussi vous abonner via Substack. Ça, c'est l'infolette, yannroshdy.substack.com. Vous allez avoir chaque semaine une liste de podcasts. Vous avez peut-être raté des bouts, des parties, vous voulez réécouter. Vous l'avez manqué au complet. Vous n'allez jamais rien rater avec ça. Vous allez recevoir ça par courriel. Et mon site web, yannroshdy.com. Donc, si vous allez vous abonner à d'autres endroits, je vais vous donner accès à mon site web. Envoyez-moi un courriel, yann.roshdy@gmail.com. Dans tous les cas, vous pouvez m'envoyer des dons en plus si vous êtes des super patriciens pour m'aider à financer l'achat de mon matériel. Donc, oh, ça bug. Gives and Go ne veut plus afficher. Parce que ça a coûté donc une fortune, tout ce matériel pour mes micro-trottoirs. Oh. Ça a coûté une fortune, donc ces micro-trottoirs, et donc sans vous, je ne peux pas rembourser tous ces prêts-là. Donc là, on est rendu au deuxième montage. Le montage, la rébellion contre l'Empire. On se revoit dans 20 minutes. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci vous tous. Attention à vous.